Putain. Enzo du Grand Bleu, non mais je crois que je rêve, hein. C'est le plus beau jour de ma vie. Chantal, ne dis pas Enzo du Grand Bleu, dis Jean Reno. Ouais, Jean Reno du Grand Bleu. Non, non, Jean Reno tout court. Je connais un peu, je veux dire Jean Reno tout court. Tu sais, j'ai bouffé une fois avec lui. Non. Ouais, c'est sûr. Dans le même resto à deux tables. Oh. J'y vais. Et alors, ouais. On peut venir avec toi. Oh oui. Ok, exceptionnellement. Ouais, super. Attendez. Super. Allez. Fais pas attendre quand même. Salut Jean. Ah, salut. Alain. 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 Salut Alain. Ça va? Ouais. Ouais, on fait comme un lundi. Hein. Ouais. Le Grand Bleu, on laisse tomber. D'accord. Hein? On va pas refaire encore. Non. Hein? Y en a marre. Alors, j'ai une idée. Ça va. Je me suis dit, la Terre, c'est quoi? C'est l'eau. Les dauphins, tout ça, on a déjà donné. Et l'air. Alors l'air, c'est quoi? C'est un canon. Canon, homme canon, matelas. On peut faire ça. Et là, l'homme, là, c'est toi. C'est moi, ouais, c'est moi. Ah oui. Ah ouais, ouais, c'est moi. Ah bah ouais. Ah bien, bien. Hein. Ah bah ouais. Bien. Hein? Bien. Hein? Bien, bien, bien. Bonne idée, bonne idée. Ah ouais. Je vais me changer. D'accord. Oh, quel mec. Oh, ça, c'est un mec. Je suis bien contente d'avoir une scène d'amour avec lui, quand même. Je me demande quand même, pour l'homme canon, si je devrais pas aller vérifier les matelas pour la réception, quoi. Ah ouais, t'as raison. Hein? Ah ouais. Quel mec, hein. Je suis bien content d'avoir une scène d'amour avec lui. Avec Alain, aujourd'hui? Non, bientôt, il m'a promis. Bientôt? Ouais, une scène d'amour. Bonsoir. Il est 22h03 et on est en direct avec les nuls pendant une heure. C'est pas mal. L'invité musical ce soir, ce sont les Innocents. Il y aura deux titres live. C'est intéressant. Et aussi, il y aura un défi. Un défi à l'aventure et un petit peu au cirque. Parce que chez les nuls, on aime bien l'aventure et les défis. Ce soir, en direct... L'homme canon. Ouais. Musique. Jean Reno va maintenant renouer avec la tradition de l'homme canon, vieille tradition de défi et d'aventure. Rappelons à nos plus jeunes téléspectateurs que c'est John Adams, le dernier en 1937, qui avait réussi l'exploit de s'envoler à plus de 108 mètres. C'était à l'exposition universelle de New York, la New York World's Fair de 1937. Touche à tout de génie, Jean Reno, sportif né, très très beau gabarit, 1,85 m et de nombreux kilos de muscles, Jean Reno va donc renouer avec la tradition de l'homme canon, vieille tradition séculaire de défi et d'aventure. Ici en direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris.
Ses deux assistantes, elles sont superbes, elles vont l'assister pour un numéro de trompe-la-mort qui prend ce soir une dimension exceptionnelle. Et dimension exceptionnelle, c'est aussi le cas du canon. Regardez-le, ce canon, un Vaillargan SLRS calibre 444, sorti tout droit des fonderies Mamard, Ève et Dumont. Plus de 409 tonnes de pression, très très impressionnant. Et devant nous, à coup sûr, un grand, un très grand moment de télévision. Je suis prêt. Feu! Merci. Merci. Normalement, ça aurait dû marcher, mais il y a une petite merde avec la mèche. C'est pas grave, on peut le refaire tout à l'heure, de toute façon. Hein ? Oui. On peut le refaire, bah, ça fait rien. Ouais. On va vous le refaire tout à l'heure, ça fait rien, viens. On va sortir déjà du canon. Est-ce qu'on peut venir m'aider, s'il vous plaît, pour sortir Jean-Luc? Bah ouais, parce que je crois que je suis coincé. Il est un peu coincé, là. Ouais, attends. Vas-y, tu peux m'aider, Justine. Tu pousses un peu avec les pieds. J'y arrive pas. Bien. Mathias, est-ce que tu peux envoyer la pub, la suite, une bande-annonce, n'importe quoi, on enchaîne, on revient juste après. Ouais. Vous commencez à perdre vos cheveux? N'attendez pas. Fountain. Vite. Chaque année, des hommes avec des grosses voitures partent à fond les bananes sans prendre de carte routière. Résultat, ils prennent les routes les plus mal entretenues et se plantent comme des grosses otaries bourrées à la bière. Ensuite, ils sont comme des cons avec la bagnole en rade et les sacs de couchage tout trempés. Et une fois qu'ils ont fabriqué un pont à peu près correct, ils reprennent un chemin pourri comme s'ils cherchaient volontairement à se prendre une gamelle. Ces crétins-là, ils existent, ils sont plusieurs, et en plus, ils se réunissent pour faire une course. Le Gamel Trophée, pour les crétins avec des grosses voitures qui aiment bien se prendre des gamelles. Vous commencez à perdre vos dents? N'attendez pas. Fountain, vite. Le cul, moi. Sinon, tu fais quelque chose ce soir? Non, j'ai rien de prévu. Ben alors, viens manger à la maison. Ah, c'est pas le refus. Tu veux que je fasse des courses? Non, non, j'ai de la viande froide. On fera des petites patates sautées. J'adore ça. La garde républicaine. Un métier d'homme, et en plus, il y a des patates sautées. Alors engagez-vous, les gars. Vous commencez à perdre vos légumes? Oh, c'est dégueulasse. Fountain, vite. Hello, my name's James Cameron. I'm the director of such films as Terminator, Aliens, and more recently, The Abyss. Maybe you've heard about them. Listen, let's be serious. When I'm directing a motion picture, I don't have time to be massaging my scalp with hair lotions. This kind of attitude is very irresponsible. It's not done on a major motion picture. So, if you see the following scene, même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion Pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion Pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Mater. Right to the foundation, against directors who don't do shit on their shoot. Foundation against directors who don't do shit on their shoot. Mail PO Box 8074-841, Hollywood, California, USA. We're talking about motion pictures, not lotion mixtures. Vous commencez à perdre patience, je comprends un peu remarqué. Fountain, vite. Qu'est-ce qu'on fait pour les sketchs là? Parce qu'il est coincé, hein, complètement. Bah, décoincez-le. Non, mais il est très très coincé là. On a tout essayé, savon, graisse d'oie, rien à faire. Bon, ok. Il est bloqué dedans. D'accord, d'accord. Même essayé au pied de biche. Non, mais d'accord, ok.
On change rien, on fait comme on a dit, on change rien les sketchs, on continue, tant pis. Ok, ben désolé. Hein. Ouais, non, c'est pas grave. On va essayer encore une fois, bien. Alors. Nana, elle est très Nana. Nana, l'association des bouffeuses de pelouse. J'ai besoin de te voir, de te sentir. Tu me fais attendre. Je t'ai aimé, Rhett. Je t'ai mordu, Rhett. Je t'ai même bu, Rhett. Reviens. Je me meurs d'amour. Oh, et cet enfant qui pleure. Je suis sûre que tu feras un excellent père plus tard. Mais alors plus tard. Je vois que ma Scarlett est impatiente de me voir. J'arrive, ma bien-aimée. Me voilà. Oh, Rhett. Oui. Oh, Scarlett. Oh, Ara. Oh. Oh, serre-moi fort dans tes bras. Oh, oui. Hein? Oh, pose ta tête sur mon épaule comme autrefois. Oui. Oh, j'aime caresser tes cheveux, ta bouche. Oui. Ton nez. Oh, Rhett. Dis-moi. C'est ton revolver que je sens ou t'es tout simplement content de me voir? Coquine. Oh. Oh. Arrête, j'aime pas quand tu me chatouilles, c'est bien. Oh, j'aime quand tu ris, Rhett. Oh. Mon Dieu. Comment? Mais tu es blessé au pied, Rhett. Oh non. C'est juste une égratignure nordiste. Oh, les chiens. Non, pas les chiens, une balle. Notre enfant qui pleure. Oui. Il faut le changer. Quoi, déjà, il a à peine une semaine. Mais... Il a une belle voix, hein. Quelle voix sudiste. Ah, oui. Ouais, ben il faut le faire taire maintenant. Ouais, voilà. Prends des escalettes. C'est incroyable, hein? Ouais. Ça marche. Ouais. Non, mais fais le plus, plus. La guerre monte en dehors. Les nordistes gagnent du terrain. Eh oui. Ben oui. Mon Dieu. Mais les nordistes gagnent du terrain. Mais nous ne pourrons plus boire de thé glacé l'après-midi. Ouais. Et nous allons devoir affranchir nos lettres. Non, nos nègres, Scarlett, nos nègres. Mais moi, il faut que j'y aille, c'est pas que je m'emmerde. Il faut que je retourne à la guerre afin d'être blessé parce que je boite.
Oh, surtout reviens en un seul morceau. Oui, mais... oui, mais si les nordistes l'emportent, j'aurais peut-être d'autres rôles que des rôles grotesques de négouès comme ça, avec des accents stupides, car je peux faire autre chose, messieurs. Scarlett, passe-moi la cravache, que je punisse cette insolence. Oh non, messieurs, s'il te plaît. Mais où l'as-tu mis, Rhett? Ah, elle est là. Ah. Tiens. Mais... Non, messieurs Boisnard, je t'en supplie, tiens. Non, ne me bats pas. Non, je t'en supplie, monsieur Boisnard. Va-t'en, pourriture funky. Ah ah, tu riras moins dans le prochain Spike Lee. C'est pas tout, il faut que j'y aille. Je vais transformer l'armée nordiste en chili con carne. Oh, ne pars pas. Si, 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 ça va refroidir. Je reviendrai à Pâques. À Pâques, Rhett? À Pâques ou à la Trinité? Oh, mon Dieu, c'est que ça va. Surtout, ne roule pas trop vite. Chose pour réduire les déchets dans l'environnement, roulez à la merde. Bonsoir, je m'appelle Luc Besson, je suis metteur en scène de films comme Le Dernier Combat, Subway ou Le Grand Bleu. Quand je dirige un film sur un plateau, je n'ai pas vraiment le temps de me frictionner la tête avec des lotions à la con. C'est une attitude irresponsable et on ne fait pas ça sur des tournages de plusieurs milliards. Alors si vous êtes témoin de cette scène... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion Pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion Pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Moteur. Écrivez à la Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Fondation contre les metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Écrivez à cette adresse à l'aide d'une lettre. Parlons de film, pas de pellicule. Oh là là, quelle journée! Dehors l'angoisse, changement de décor. À toi, ma cuisine chérie. Dans ma cuisine, je suis si bien. Et c'est bien. Si bien. Cuisine m'emballe pas. Vraiment pas. Touchstein Film présente. Oui, allô? Ah, bonjour. Bien, bien, merci à vous-même. Oui. Ah bah oui, bien sûr, bah, avec plaisir. Formidable. D'accord. Oh, au revoir. C'était qui? Tata Jacqueline. Et alors? Et alors? Elle revient. Le retour de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline revient. Je les ai fait moi-même. Tata Jacqueline, elle est sans pitié. Il n'a pas voulu, c'est là. Personne n'y a fini ces trois boulettes là. Ah, c'est péché de jeter, hein. Elle ne recule péché devant rien. Oui, mais elle est 10 fois trop salée, s'il vous plaît. Vraiment. Elle revient et elle n'est pas contente. Elle a l'air peu salée. Le retour de Tata Jacqueline, sorti le 12. Dieu. Dieu. Yeah.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais signaler aux producteurs de cette émission que si je ne suis pas sorti de ce camion avant la fin du premier morceau, je vais mettre des coups de tête à tout le monde et ça va faire mal parce que je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester là. Bon, enfin, j'espère que vous passez néanmoins une excellente soirée. Là, nous allons avoir en direct live, c'est-à-dire super live, les super innocents avec un titre qui s'appelle « Et le temps n'attend pas ». Et moi non plus. Je ne peux pas rester là. Attends, hein. Attends, doucement. Mais qui c'est ce mec? Mais arrête. Mais aïe. Attends. Oh, à côté de ma fenêtre, je te vois passer, accroché au chronomètre, presque enchaîné. Et dans les journaux, c'est écrit que c'est aujourd'hui lundi, que le temps sera couvert, que c'est bientôt l'hiver. Tu disais m'aimer pourtant, je n'ai rien compris. À la fenêtre j'attends une éclaircie, un dernier carré de ciel bleu. Sera bien nous rattraper. Le
La sélection de l'émission cette semaine, sans hésitation, Beetlejuice. What's the good of being a ghost if you can't frighten people away? What about that guy in the flyer, you know, Beetle? Don't even say his name. You don't want his help. Oh, I know what you're asking me. It's gonna be scary. What do you think of this? You like it? Not so fast, brown boy. We're gonna have some laughs. Come on, come on. Beetlejuice! Beetlejuice de Tim Burton en VO, mardi 6, 22h15. Thank you! Thank you! Woo! That is why I won't do two shows a night anymore, babe. I won't do. Dis donc, tu m'as vu passer à la fin de la chanson? Ouais, un peu rapide, mais super. Ouais, c'est super. Tu veux essayer? Non, pas moi. Mais Alain, le chef des nuls, on va lui demander. On va lui demander. Est-ce qu'Alain, il est bien? Parce que pour ça, il fait ça bien. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Il s'est passé encore beaucoup de choses dans le monde cette semaine, Pénélope. Oui, sauf mardi. C'est vrai. Je me chargerai donc du lundi, du jeudi, du dimanche et du mercredi. Pénélope, de son côté, se chargera à la bière, car elle n'a peut-être pas quand même que du Vittel. Toute l'actualité de la semaine en images, on commence par le dimanche. Dimanche à Bagdad, grande manifestation des porteurs d'allumettes géantes. Dégratoire, dégratoire, donnez-nous dégratoire. Le fanatisme à son paroxysme. Depuis qu'il a arrêté la drogue, Ben Johnson marche beaucoup mieux. Vivement qu'il recourt. Enfin, bien qu'il soit sorti de prison, Mandela passe encore par la porte des domestiques. Lundi, Eurotunnel dans 485 mètres, la jonction. Alors, ne nous impatientons pas. Bientôt, avec l'ouverture du tunnel sous la Manche, nous pourrons manger à l'aller des bons sandwichs SNCF bien froids. Et au retour, nous dégusterons du bon poisson à la menthe avec des frites au miel. Quand même chouette la vie en Europe. C'est vrai. En bref, les créateurs de mode cette année encore ont été omniprésents. Ce n'était plus que Dior par-ci, Lacroix par-là, Givenchy partout. Et puis, lundi toujours, après la découverte du plutonium dans le sud de Paris, on a trouvé près de Marne-la-Vallée du Mykénium et du Donaldium. Eh oui. Lundi, enfin, à l'ONU, et après plusieurs heures de discussion, la décision a enfin été prise des images de Gabriel Pavillon. Bon alors, les gars, combien de cafés? On n'a pas la journée. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13 cafés. 13 cafés, 3 d'écart. Mardi, pas grand-chose. J'avais prévenu. C'est vrai. Passons donc au mercredi. Pour que cesse la guerre du Liban, c'est mercredi que des petits-enfants de l'école de Bondy ont décidé de faire de jolis dessins et d'envoyer des cartes postales à tous les combattants pour qu'ils arrêtent de s'entretuer. Alors Maurice, tout ce joli courrier est bien entendu arrivé? Oui, mais seulement à l'aéroport de Beyrouth. Ensuite, un premier facteur a été tué en portant le sac, puis un deuxième, puis un troisième facteur a sauté sur une mine en transportant les jolis poèmes et les petits dessins. Alors vous, les petits-enfants de Bondy, arrêtez d'écrire, car par votre faute sont déjà morts plein de pères de famille. Particulièrement dur comme nouvelle. Eh oui, mais c'est aussi ça l'information, moitié cachou, moitié acide. C'est vrai. Et bien maintenant, des nouvelles de Jacques Médecin. Elles sont bonnes. Eh oui, il dépense tout son pognon, il a zéro de température. Ah, bonne nouvelle donc. C'est mercredi également que Tchernobyl, les mutations génétiques, eh bien ça continue. Une femme tronc de 10 mètres d'épaisseur a été attaquée par un crocodile de 45 mètres. Elle n'a dû son salut qu'à un réflexe de son fils. Celui-ci a asséné au saurien un gros coup de palme sur la tête arrière gauche. Jeudi, tiercé à Auteuil lors du prix spécial de Longchamp, il fallait jouer pas celui-là, ni celui-là d'ailleurs. Il fallait jouer ni celui-là non plus, ni ce... fallait pas jouer cela, quoi. Alors, il ne fallait pas jouer celui-là non plus. Et encore moins celui-ci. Non. Il fallait jouer... Non, c'est pas celui-là. Il fallait jouer, eh bien, il fallait jouer celui qui est arrivé. C'est Anus, vous le voyez, qui a fait le trou. Le cheval. Le cheval est décidément la plus noble conquête de l'homme. Tout à fait. Donc... 14 morts et 7 blessés dans l'ordre, 14 blessés, 7 morts dans le désordre, les rapports dans notre édition de plus tard. Vendredi. Eh oui,
employés, 1000 micros et pas un qui marche. Vive la France. Aux Philippines, à Manila, à Mindanao, accident de vélo, une roue voilée. Voici des roses blanches. Des roses blanches pour ma jolie maman qui s'est pas rasée ce matin. Belle image. Ouais. Et puis, en bref, vendredi, en Inde, 225 millions de policiers ont arrêté plus de 3,5 milliards de manifestants dans une seule rue de Bombay. Vendredi toujours, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe s'est brûlée la main en se touchant le front. Il faut dire que Madame Catherine Lalumière était restée allumée pendant 3 jours. Ouais. Ceci explique peut-être cela. Exactement. Vendredi enfin, après 2 mois et demi d'attente, les 327 otages français retenus en Irak vont enfin être libérés, Pénélope. Oui, c'est une bonne nouvelle, Maurice, mais moi qui suis une femme, je peux quand même vous dire qu'après 2 mois et demi, pour avoir les slips, il va falloir frotter. Hein. Oui. Merci, Pénélope. Dernier jour de la semaine, le samedi. Samedi à Atlanta, l'homme canon Jean Reno vient de pulvériser son record. Bravo Jean, belle performance. Samedi enfin, les socialistes reparlent de l'union de la gauche, alors nous pouvons les aider en leur rappelant qu'ils avaient écrit un livre sur le sujet il y a plus de 10 ans et que ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies au rayon science-fiction. Beaucoup de socialistes dans la salle. Et pour finir, bien entendu, l'image de la semaine, on a retrouvé la Schtroumpfette. Elle n'a pas changé, elle est toujours schtroumpfement belle. Payot, son créateur, peut en être fier. Voilà. C'est sur cette image souriante que nous nous quittons. Voilà pour l'actualité de la semaine. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir. Bonsoir. Connaissez-vous Praline et Papichu ? Salut ! Lui c'est Praline et moi c'est Papichu, mais on n'aime pas vraiment ces noms-là, alors c'est pour ça que... Oui, on n'aime pas ces noms-là. Moi c'est Rocky, et lui c'est Johnny Bob. Ouais. À la place donc de Praline et Papichu ? Ouais, parce qu'on n'aime pas vraiment quoi. Non, ça fait un peu fille Praline. Ouais, alors moi, pas Papichu, mais Johnny Bob. Ouais, et moi c'est pas Praline. C'est pas Praline, hein. C'est Rocky, lui. C'est Rocky. Bon, ben voilà, les gars, on va y aller parce qu'on a autre chose à faire. Hein. Faut qu'on y va maintenant. Allez, salut, les gars. L'émission, un moment privilégié pour dire ce que vous avez sur le cœur. Hello, my name is Sam Raimi. I'm the director of such movies as Evil Dead, Crime Wave, Mort sur la Grille, Evil Dead 2. And most recently, Darkman. Maybe you've heard about them. When I'm shooting a movie, I just don't have time to massage my scalp with hair lotions. It's not the type of conduct that one would assume in a major motion picture production. You just don't do that. This attitude is irresponsible. So if you're the witness to this scene... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion Pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion Pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Mater. Right to the foundation against directors who don't do shit on their shoot. As James Cameron, Sam Raimi and Luc Besson of Le Grand Bleu subscribe to the foundation against directors who don't do shit on their shoot. Right now. If the Darkman segment was short, here's a little more. Thank you for your attention. Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh bien, vous avez été, il est vrai, très nombreuses et nombreux à nous écrire pour participer à notre grand concours. Combien de crétins peut-on mettre dans un canon? Eh bien, la réponse exacte était 3. Chantal, Dominique, ça va, pas trop serré? Tout de suite, la suite de notre programme avec le deuxième titre en direct live des Innocents. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Oui, je sais, j'ai pété, alors big deal. Bonsoir à toutes et à tous.
par terre, il semble qu'il y a dans l'air un genre de rendez-vous. Elle est sortie par derrière, sachant bien qu'encore hier, il l'a suivi partout. Qu'il sait tout. Quand même bien que le show soit pas au lit. Grand gosse. Tu sais que j'ai pas vu Roson et Madeleine en train de se battre dans le swimming pool. Roson? Surprise, surprise! Quand ben même elle est stressée, faut mettre du gosse. Hey, ice cream de tous les dieux. Tu sais, si on m'avait dit que j'étais rendu, je l'aurais soufflé à grande sa pompe. Tu sais quoi? Elle l'a pas compris. L'a pas compris. Pas français pourtant. L'a pas compris. Non, l'a pas compris. L'a pas compris. L'a pas compris. L'a pas compris. Les Québécois. Dis les Québécois, prochainement c'est les mardis. L'a pas compris, hein. Parce que moi, tu sais, si je voulais m'expliquer à propos de ces trucs, si je voulais te raconter un truc, c'est ce que je voulais dire. Jean Mérand, artisan au service de la chanson française. Jean Mérand. Jean, tu peux venir. Je vais chanter une nouvelle. Réplique, oui. Je vais chanter une nouvelle. Réplique, oui. Ils ont chargé. Je vais chanter une nouvelle. Nouvelle chanson. 68, c'était hier. Il y a eu la rue Le Pic. 68, c'était hier. Il y a eu la rue Le Pic. Chante avec moi, chante avec
chante avec moi. Vas-y ma poulette, fais-moi copette. Montre-le-y aux copains que t'as pas du sang de lapin. Chante, chante avec moi. Safety, whistiti. Safety, whistiti. Bats-toi, petit homme. Bats-toi. Chante avec moi. Dans les rizières de Saigon, y'a le Nurkmam qui sent la merde. Ouais, il sent la merde, le Nurkmam de Saigon. US Com, US Party. US Party. Jeannette, je t'oublie pas. Voilà. J'en ai plein les couilles. Et pendant ce temps-là, à la cafétéria de la Calypso, l'ambiance bat son plein. Bah, l'ambiance bat son plein aujourd'hui, hein? Ouais. Tu veux ta bière? Allez. Hein? Oh. Ah. Ça tombe pas mal. Ah. Oh, salut tout le monde! Ça va? Ouais. Enzo. Asseyez-vous, Enzo. Merci. Ah. Y a du roulis aujourd'hui. Un petit peu, ouais. Ouais. Asseyez-vous, Roro. Désolé, hein. Vous commandez, commandant? Oh. Plat du jour. Ah bah oui. Plat du jour. Trois plats du jour. S'il te plaît, mon chien. S'il te plaît, ma petite éponge de mer. Bon, ça va. Alors, je vous les sers avec des pâtes, du chou-fleur, de la ratatouille ou des algues au gruyère. Des pâtes. Chou-fleur. Pâtes, chou-fleur, ratatouille, algues au gruyère. C'est vrai, ça creuse, ouais. C'est la plongée. Ouais. Je te jure qu'il vaut mieux l'avoir en plongée qu'en pension. Hein. Ah, vous pas que ça sent un peu le renfermé, hein? Un petit peu, mais... Ouais. Mais trois fois rien, quoi. Ouais, un petit peu. Au revoir. Au revoir. Ah, ah. C'est humide, ouais. Ah. Humide, commandant, humide. Ouais. Humide. Assez humide. Il y avait d'abord de la tempête, en principe, là. Si on se prenait un peu de vin. Pas de refus, allez. Un petit Bourgueil, par exemple. Ah, oui. Commandant de Coustel, s'il vous plaît, un petit Bourgueil, quoi. Demi en fort ou bouteille? En bouteille, on travaille. Oui, on travaille. Bouteille. Vous allez m'en dire des nouvelles. En plus, c'est la dernière. C'est la dernière? Ouais. Voilà. Alors là. La dernière. Ah. Vous goûtez, Enzo? Allez, goûtez. Je goûte. Ouais, goûtez. Dernière fois, c'était 27. En progrès, Enzo. Ah bon? Ah ouais. Quelqu'un veut des rillettes de thon, non? Ah bah moi, tiens. Rillettes de thon. Ça se voit qu'il branle rien, le commandant Cousteau, hein. Tiens, Jacques. Il ne plonge jamais. Merci, commandant. C'est obligé, la musique du Grand Bleu, là. Pardon? Parce qu'on avait dit qu'on faisait tout, mais... sauf le Grand Bleu, quoi. Non, mais
mais c'est le groupe, ils ont voulu te faire plaisir, c'était... Ouais, mais sans arrêt, le Grand Bleu, j'en ai marre, moi. Non, non, mais je vais leur parler, je vais leur parler au groupe. Il va leur parler. Eh les gars, arrêtez avec le Grand Bleu, ça s'appelait pas Enzo. Bah arrête de m'appeler Enzo aussi, hein. Oh Franck, arrête, merde, je te dis d'arrêter, t'es gentil, putain. Je sais pas, je vois autre chose, une Java, une Polka, Java. Java, ouais, c'est bien. Une Java. Java. Ah ouais. Ah, c'est mieux, là. Voilà, maintenant vous savez où passe l'argent que vous envoyez à la Fondation pour la protection des espèces en voie de disparition. Continuez à envoyer vos chèques, car bientôt, il n'y aura plus de Bourgueil. Tous les soirs au théâtre de la Pichaudière avec Pierre Alain dans Le Cousin Péteur. Le Cousin Péteur, attention, lundi relâche. Merci. Merci, merci infiniment. Et j'espère que tout ça vous a plu, n'est-ce pas ? Merci encore. En tout cas, pour ma part, j'ai été très heureux de faire ce numéro d'Homme Canon, comme vous avez vu, c'est bien. Et maintenant, je vais en faire un autre de numéro. Je vais faire un numéro qui est quand même assez rare à la télévision, celui du saut sur la plateforme d'un ascenseur en marche. Allez voir. Musique. Chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente fin de soirée.